Le maire de la commune de Cocody a initié ce lundi une rupture collective de jeûne avec les étudiants musulmans. Cette cérémonie, qu'on peut désormais assimiler à une tradition, visait à soutenir la communauté musulmane et estudiantine dans le mois béni du Ramadan. Cette rupture collective a été suivie d'une remise de dons en vivres aux étudiants, nous témoignent Konena Norgo et Doumbia Ayouba. S'il y a bien un sens à cette rupture collective de ce lundi 8 avril 2024, c'est bien la fraternité, le partage, la cohésion et l'entraide. Et c'est lui, l'initiateur de cette rupture collective, Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Autour de lui, des étudiants musulmans, membres de l'AEMC et de la CEMUSI, issus des différentes universités d'Abidjan. En ce mois béni de Ramadan 2024, Jean-Marc Yassé a vu juste en exprimant sa générosité envers ses étudiants. Une tradition qu'il vient de perpétuer. Il vous a dit d'abord, aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour d'abord des frères. Le fait de nous retrouver ici ensemble, c'est une preuve d'amour entre nous, entre les étudiants, les conseillers, les administrés. Et pour nous, c'est une source d'amour, c'est tout. Le reste, bon, c'est Dieu qui fait le reste. En plus du repas, le maire a aussi distribué des dons aux étudiants musulmans pour les soutenir dans ce mois de pénitence. Ces dons sont composés essentiellement de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et de lait. Ils permettront de soulager les étudiants musulmans durant ce mois de jeûne. Le geste est hautement salué par les bénéficiaires. Donc, nous sommes ici à l'invitation du premier magistrat de la commune de Cocody, le maire, M. Jean-Marc Yassé. Et nous répondons à l'invitation pour une rupture collective et un don symbolique durant ce mois béni du Ramadan. Donc l'objectif, c'est d'abord un moment pour communier avec la jeunesse musulmane et la jeunesse musulmane estudiantine pour être encore plus précis. Et donc c'est une tradition avec le maire, chaque année, il y a une rupture collective qu'on organise et on profite de votre micro pour vraiment remercier le maire pour toutes ses actions qu'il mène lors du mois de Ramadan, toutes ces actions qui nous soulagent. Nous pensons que voilà, cette initiative elle est très salutaire, voilà, parce qu'elle permet aux étudiants musulmans, voilà, sur l'espace universitaire, de quand même passer un bon mois de Ramadan à travers, voilà, on va dire ces dons. Nous passons un très bon mois de Ramadan. Avant la célébration de la fête, plusieurs dons ont été remis par le maire Jean-Marc Yassé dans les différentes mosquées de l'université Félix Houphouët-Boigny.